Pardon. Oh, oh mais t'es dégueu. Nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mes deux petites caisses bonbons, étant donné, enfin, une petite et une grande. Cette vidéo sera aujourd'hui axée sur les petits achats que nous avons faits pour la rentrée. Mais avant toute chose, cette vidéo est en collaboration avec l'application WishUpon, qui est une application de wishlist. J'ai accepté cette collaboration parce que je trouve l'application plutôt chouette. C'est une application qui est gratuite et sur laquelle on peut épingler vos idées cadeaux, vos envies en termes d'achat. Vous pouvez également faire des petites collections. Donc bah moi, comme vous voyez, j'ai une collection maison avec des objets que j'aimerais pour la future maison. J'ai également une collection Aurélie avec ma wishlist. J'ai une petite collection Maëlle qui veut absolument des Stan Smith. Donc ça fait au moins un an qu'elle me dit qu'elle veut des Stan Smith. Donc c'était l'occasion de l'épingler et d'y penser, notamment pour les fêtes, pour son anniversaire. Et je crois que la mienne, c'est la plus grosse. Qui va arriver en début d'année. Et j'ai une collection Laura qui est... Ah oui, ça va. Ouais, ça va, qui est balèze. Mais Laura elle-même a fait sa propre wishlist parce que c'est bientôt... mon anniversaire. Ça marche hyper simplement. Vous allez dans la petite barre de recherche. Donc vous pouvez chercher les boutiques directement sur l'application. Si par exemple je vais sur Sarenza, c'est d'ailleurs là où j'ai trouvé ta paire de Stan Smith. Vous notez, tiens, on va aller faire un petit tour du côté de chez Nike. Vous notez Nike. Ah, celle-ci, je crois que tu les voulais aussi. Vous cliquez sur la photo. Les petites Cortez comme dans Forrest Gump. Voilà, les petites Cortez de Forrest Gump. Et après, vous ajoutez à la liste. Vous pouvez également noter avec un système d'étoiles votre pulsion d'achat, à savoir si vous le voulez vraiment maintenant ou un petit peu plus tardivement. Moi, je sais que c'est ce que je fais pour les filles. Quand vraiment elles craquent sur un truc, voilà, je peux noter avec les étoiles. Et après, il reste juste à wish it. Et l'article se met directement dans votre... petite liste, et voilà, donc c'est arrivé par ici. Et après, c'est simple, pour le mettre dans la petite wishlist de Maëlle, je vais sur ma collection Maëlle, ajouter, et là je clique sur les petites Cortez, et je voilà. Aussi un t-shirt Levi's. Tu voulais aussi un t-shirt Levi's? Oui, moi j'en avais mis deux t-shirts, mais tu les as... Ah oui, c'est vrai, je te les ai enlevés. C'est vrai que Laura avait mis deux t-shirts, et puis la dernière fois, je fais, c'est pas moi qui ai mis ça. Je les ai enlevés, puis Laura me dit, non, mais c'était pour moi. Ah oui, mince, excuse-moi. Donc en fait, il faudrait aller les mettre directement dans la collection dès que vous trouvez un article qui vous plaît. Grâce à l'application, vous pouvez vraiment surveiller la baisse des prix de vos articles. Ça vous envoie une notification. Donc ça, c'est franchement, c'est juste top. Quand vous mettez un truc en favori et que, bah, je sais pas, quelques semaines après, vous voyez qu'il y a une promo ou une baisse de prix, bah, ça nous motive peut-être à acheter davantage et à craquer à ce moment-là. Ça permet aussi de comparer un article à un autre. Je sais pas, vous aimez deux paires de pompes, admettons. Encore une fois, à ce moment-là, il y a une baisse de prix, vous vous dites, tiens, voilà, du coup, je vais craquer sur celle-ci plutôt que sur l'autre. Et par le fait, ça peut clairement nous aider à faire des petites économies. Hein. C'est vrai que de pouvoir surveiller les prix comme ça, c'est chouette. Et c'est surtout, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il y a vraiment les images des articles. Donc moi, c'est ce qui me manquait un petit peu sur mes wishlists d'ordi, quand je mettais tout en favori, c'est que on a juste les liens, on se souvient plus de ce que c'est, on se souvient plus des prix, si vraiment c'est quelque chose qui nous plaît encore. Là, en un coup d'œil, on peut vite voir voilà, les articles qu'on a dans nos wishlists. Et ce qui est génial aussi, c'est que vous pouvez faire vos achats directement via Google. Je vais aller sur Zara, le diable, en personne. Et, je sais pas, tiens, hop, on va aller dans Nouveautés, Femmes, Enfants, mais va dans les Nouveautés Enfants. Et vous craquez sur ce petit pantalon carotte qui est très mignon d'ailleurs. Pour l'ajouter, c'est très simple. Vous allez sur la petite photo et vous faites comme si vous vouliez partager. Et quand vous avez téléchargé l'application, elle se trouve directement dans vos onglets de partage. Vous cliquez dessus et après, il ne reste plus qu'à wish it. Et elle arrive directement du coup sur l'application. Je trouve ça super pratique parce que la plupart du temps, je ne passe pas par l'application pour mettre en favori mes articles. Et dernière petite info, l'application est en train de faire peau neuve, donc il y a plein de petites fonctionnalités qui vont arriver. Vous allez même pouvoir partager vos trouvailles ou vos sélections shopping avec votre communauté, que ce soit sur Instagram ou sur Snapchat. Donc ça, c'est cool quand vous voulez demander conseil en mode, vous préférez lequel, celui-ci ou celui-là. Et on peut également envoyer les listes, alors pour les anniversaires notamment, comme pour Laura, c'est cool parce qu'on peut partager la liste par mail. Donc je trouve que l'idée est plutôt chouette si on veut voilà, donner des idées de cadeaux aux familles. Donc voilà, on a fait le tour. Je vous laisse aller voir en barre d'infos si ça vous plaît. Mais... Et un poney, tu peux pas le mettre? Un poney? Mmh. Ah, tu crois qu'on peut mettre un poney dans la wishlist, toi? on va essayer, hein, on va voir si c'est possible. Du coup, on commence ce petit hall de rentrée tout de suite avec qui? Qui commence? Laura. Allez, avec Laura, c'est parti. Bah déjà, tiens, t'as un truc sur toi. Ah oui. Ce petit t-shirt E.T. que je trouve mais trop
Hein, il est cool, hein. Toi, ouais. Tu l'aimes bien. Il vient de chez Gémeaux et je crois qu'en ce moment, il est en promo à 9 euros. Alors ça, c'est un achat qui est assez récent. Je l'ai acheté hier ou avant-hier, je crois. Avant-hier. Donc, il est encore actuellement en magasin, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Et il est dans les 9 euros. Donc, ensuite, un pantalon. Elle avait besoin de pantalons d'une, parce que ses pantalons sont vraiment trop courts, ceux de l'année dernière. Et de deux, parce que... J'ai plus le droit de mettre deux pantalons trop au collège. Ensuite, une petite jupe qui vient de chez Primark. Voilà, qu'on a acheté en Espagne. Ah, oui. Ouais, parce qu'on n'a pas de Primark ici, donc c'est très rare qu'on fasse Primark. Mais elle aussi voulait une jupe, d'ailleurs vous allez voir, elles ont la même, c'est très rare qu'elles s'achètent les mêmes fringues. Ensuite, bah, continue avec ça. Une petite veste encore. La fameuse veste en touche un petit peu velours comme ça, qui fait un vrai carton sur Instagram. À chaque fois qu'elle la porte, vous êtes, je ne sais pas combien, à m'envoyer des messages pour savoir d'où elle vient. Donc elle vient de chez... J'ai exactement la même, hein, on a comparé la dernière fois, Laura. J'ai exactement la même de chez Zara en kaki. Oui. Mais quand je vous dis que c'est exactement la même, c'est-à-dire que ça va jusqu'au bouton et je l'ai payé 10 euros ou 20 euros plus cher. Je crois que la mienne était à 39 euros et la tienne était à 19 euros. Donc c'est juste énorme, quoi. Donc comme quoi ça vaut vraiment le coup de regarder, parce qu'à mon avis c'est fait au même endroit, hein, clairement. Ensuite, un petit jogging pour le sport. Qui vient de chez Intersport, de la marque Adidas. Il était pas très cher, il était pas excessif. Il était à 29,99€. Non. Si, si. Bon. Ah non, il était à 35€. Ouais, c'est ça, 35€. Avec le jogging, des petites baskets Adidas. On a cherché une paire de baskets pour le sport, et alors là ça a été une telle galère. Pourquoi, Laura? Parce que je suis passée de 39 à 42. Elle a fait en fin de compte 39-40 au 42 quasiment là, après l'été. Quand on dit que les pieds des enfants poussent pendant l'été, hein, c'est un cas qui s'avère vrai chez nous. Laura a beaucoup grandi des pieds, toi aussi d'ailleurs, ma pépette. Bon, je suis quand même. 30, tu passais du 34-35 au 36-37, pareil, t'as pris deux pointures, quoi. Donc ça a été une vraie galère, parce qu'en 42, pour les filles, il n'y a pas énormément de choix. Tu nous as fait manger une potion. Ouais, c'est ça, je vous ai fait manger des trucs ultra puissants qui font grandir les pieds. Bref, celles-ci sont très bien, elles sont confortables. Bon, moi, ça. Et toi, t'es au rayon foot, ouais, mais elle se balade au rayon foot. Il y a également eu quelques achats de seconde main, puisque vous le savez maintenant, c'est le réflexe que ces deux petites pépettes ont, c'est que dès qu'on cherche quelque chose, que ce soit pour les fringues ou pour les affaires de sport ou les chaussures, on regarde sur Vinted. Donc oui, on avait regardé pour le jogging, oui, on avait regardé pour les baskets de sport, mais clairement, on n'a pas trouvé ce qui plaisait à Laura. Et puis le but, c'est quand même d'acheter, même si c'est de la seconde main, mais d'acheter quelque chose qui plaît, clairement. Mais on a quand même fait quelques petites trouvailles. Donc, pour commencer, vas-y, un petit t-shirt Adidas que nous avons trouvé en friperie, qu'on n'a pas payé cher du tout. Alors je ne sais plus exactement combien, parce que j'avais acheté plusieurs trucs, mais ça doit être dans les 4 ou 5 euros. Ça, maintenant, quand tu prends une taille M, c'est clairement des vêtements que tu peux garder des années et des années, quoi. Faut pas s'en lasser, mais l'objectif, voilà, c'est de le garder assez longtemps. Ensuite, du coup, oui, j'ai fait une petite touche personnelle, je l'ai mis sur le mur et puis avec le pinceau, j'ai fait ça. N'importe quoi. Non, il est cool, il est chouette, moi j'aime bien. Ensuite, une petite veste Adidas. Un petit bomber Adidas, pareil, qu'on a trouvé en friperie. Ensuite, toujours en seconde main, si Laura arrive à les attraper. Des petites Vans. Des petites Vans qu'elle a déjà pas mal mises. Donc elles étaient, c'était une occasion neuve, encore une fois sur Vinted, moi je vous dis. Allez-y, c'est génial. On quand... pue des pieds. Non, non, ça pue pas des pieds. Et on les a payés 19 euros celle-ci. Donc c'est pour vous dire que ça valait vraiment le coup, quoi. Et surtout quand je vois, alors je sais pas si c'est le cas chez vous, mais dans l'état qu'elles mettent leurs chaussures. Mais elle me ruine ses chaussures. Vous allez voir, il y en a qu'on a acheté il n'y a pas si longtemps que ça. On va vous les montrer, elles étaient nickel. Elles sont déjà pas mortes, mais elles sont déjà bien abîmées. Donc pour 20 euros, voilà, comme quoi ça vaut vraiment vraiment la peine de chercher de temps en temps. Et des montantes en bordeaux. On a également pris, mais ça c'était au début de l'été, une paire, elle se met des coups de pompe dans la tronche. On a également pris au début de l'été une paire de Converse blanches. Alors là, il y avait l'étiquette, le prix, il y avait tout dessus. Combien les avaient achetées? 29 euros, 30 euros les Converse. Ouais. Et celle-ci, c'est celle-ci qu'on a acheté aussi, pareil, 30 euros il me semble. Mm. Donc, et pareil, elles étaient neuves de chez neuves. Donc voilà, comme quoi ça vaut vraiment le coup, encore une fois, je vous dis, de regarder de la seconde main et d'essayer de consommer dès qu'on peut de la seconde main. Après, comme vous le voyez, moi, quand les filles ont besoin, on achète encore du neuf. Maëlle adore aller chez Kiabi, adore aller chez Gémeaux. C'est vrai que dans les friperies, à chaque fois, Maëlle, qu'on y va, que ce soit friperie, Emmaüs, Vidressing, on trouve toujours plus pour Laura.
que pour elle, parce qu'il y a moins de choix quand même dans sa tête. Ouais. Bref, bon, à ton tour, ma bichette, qu'est-ce qu'on a acheté pour toi, du coup, pour la rentrée? Une jupe. Donc, la même petite jupe que... Laura. Qu'on a acheté chez Primark en Espagne. Un petit t-shirt qu'on a acheté en Espagne. Qu'on a pris, pour le coup, chez la femme et qui vient de chez Bershka. Donc on lui a pris parce que bah, la petite belette elle avait craqué dessus, puis on avait aussi envie de lui faire plaisir vu qu'on avait fait quelques achats pour Laura. Et en même temps des t-shirts, il t'en fallait parce qu'elle a tellement grandi que tous ces petits shorts lui vont mais en mode ultra serré. Ensuite une petite veste en jean qui vient de chez Kiabi. Oui, hein, oui, je vous dis que Maëlle adore Kiabi. Toi aussi t'aimes bien te balader là-bas, et plus chez la femme d'ailleurs maintenant. Ouais. Donc c'est une petite veste un peu loose avec une coupe droite et elle est trop mignonne. En plus je crois que quand on l'avait achetée, elle était en promo. Chez Kiabi, ils sont tout le temps en promo, il y a toujours des offres, c'est trop bien. Parce qu'avant celle-ci, il faut savoir qu'elle en avait une autre. Une veste Levi's qui était de la seconde main, qu'elle adorait. Et elle était géniale parce que c'était une veste mixte, donc c'était aussi bien pour les filles que pour les garçons. Et elle la portait tellement jusqu'au bout qu'à la fin elle était comme ça dans sa veste. On disait mais enlève-la, t'es trop serrée dedans. Hein, mais au début elle l'aimait pas cette veste. Et au début elle l'aimait pas. Et du coup celle-là c'est tout le contraire, elle est un petit peu large. Et quand je l'achetais, j'ai fait « Maman elle est où ma veste en jean, tu l'as pas vue ?» Non mais je l'ai vendue hein. Non, mais je crois que je ne l'ai pas vendu, je l'ai encore en fait. Ah, ouais. C'était pour que tu arrêtes de la mettre. Tu l'as tellement mis que j'ai pas envie de la vendre, c'est sentimental. Ensuite, une gourde Nike. Une petite gourde Nike pour l'école et le sport. Tenez-vous bien, j'avais acheté une gourde en verre pour les filles l'année dernière, pour le sport. Elle a fait toute l'année et je crois que c'était au dernier jour, c'était pendant la répétition du gala, non? C'est pas moi. C'est pas toi qui l'a cassé? Ah si, c'est tout. Si, c'est toi. Et Mel l'a cassé. C'est vrai que pour les enfants, c'est pas l'idéal. Donc là, on lui a repris une petite gourde qu'elle peut se balader, se trimballer, cogner dans tous les sens si elle veut. Ensuite, ah oui, ça tu veux le montrer. Hein. Bah finis avec les vêtements avant. Ah bah celui-là, ah, oui, on l'a pas montré. Lui, on l'a acheté chez Zara. Vous pouvez pas le retrouver puisque c'est de la collection. Il était en solde, hein. C'est de l'ancienne collection. Mais il est joli, toi, tu le mets c'est assez souvent. 6 ans. Oui, c'est une taille 6 ans, mais à la base, je pense que c'était un t-shirt robe. Et comme elle l'aimait trop, je lui ai dit, bon, bah, vas-y, regardez, prends-le. Il va super large. Ouais, il va. Il je suis sûre qu'elle va être. Non. Donc voilà, nickel. Donc pour une taille 6 ans, comme quoi, des fois, faut pas. Moi, je dis, faut pas hésiter à essayer les robes, enfin, les types robes en t-shirt, les t-shirts en robe. C'est bien qu'une fringue fasse double emploi. Ensuite, basket seconde main, oui. Bah, t'as deux paires en seconde main. Que j'ai acheté cet été et qui devait lui servir pour la rentrée. Mais Maëlle, même pour aller à la plage, elle y va en basket, les gars, je n'en peux plus. Je râlais pas mal après en lui disant arrête de mettre tes baskets pour aller à la plage. Donc, à la base, les baskets étaient nickel, mais elles ont déjà pris un petit coup dans la tronche, hein, parce que Maëlle les met tout le temps. Donc, on lui a pris une paire d'URH, puisque Maëlle, encore une fois, vous le savez si vous me suivez sur Instagram, elle adore les URH. Donc, oui, c'est des baskets de marque. Parce qu'il y en a plein qui vont dire oui, mais elles sont nice, gna 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 gna. Mais en gros, je les ai payées exactement le même prix que si j'avais été chez Decat ou chez Gémeaux, puisqu'on les a payées, je sais plus, entre 19 et 29 euros. Donc c'est jamais très cher. Ensuite, il y a eu une autre paire, pareil, que t'as bien défoncée. Hein. Celle-ci, elle est pire que l'autre encore. Les grises et corail. J'ai négocié le prix en fait. C'est un peu le deal, et c'est ce qui est bien avec la seconde main, et notamment sur Vinted, c'est que vous pouvez négocier les prix. Donc j'ai dû les avoir, elles étaient quasiment neuves, et j'ai dû les avoir pour une trentaine d'euros. Ensuite. Les bottines. Bah oui, allez, vas-y, t'emmerdes d'envie. Elle a une nouvelle paire de bottines pour l'équitation, puisque bah, je vous dis, elle est passée du 35 au 36-37. Et elle a craqué sur cette paire-là. Bon, j'ai essayé de les nettoyer, hein, mais... Oui, elles étaient un petit peu... Bon, non, mais ça va, là, elles sont pas trop cracra. Elle a essayé de les nettoyer pour vous les montrer. Donc, elle a opté pour des petites bottines avec des lacets, enfin, ou tout du moins, effet lacet. Elle en voulait depuis un moment, donc avec le petit élastique, là, sur les côtés, la petite bride et la fermeture derrière. Elle les adore. Vous m'avez demandé également sur Instagram d'où elles venaient. Tu les as trouvées sur le site Orz. Orz, que je connaissais absolument pas. C'est Maëlle, en cherchant en bottines à la scène, m'a dit tiens regarde maman, celles-ci elles sont pas mal, elles sont pas très chères. Elles étaient moins chères que celles que t'as essayé chez Decat. Ouais. Et du coup on s'est dit bon allez, on tente, si vraiment ça va pas on renverra. Et franchement pour 39 euros, si vous cherchez des bottines d'équitation, je ne peux que vous les conseiller puisque a priori on pourra en reparler peut-être dans le cours d'année, mais là elle les a déjà mises quelques fois. La qualité est top et elles sont confortables. Toi tu m'as dit que t'étais super bien dedans. Et pour finir, qu'est-ce qu'on a acheté pour la rentrée aussi, Maëlle?
pour mes poneys. Voilà, elle a aussi fait plaisir à ses poneys pour sa nouvelle. C'est de nature celle-là ? Non, banane. Non, c'est à la banane. Et te demander qu'elles sont bonnes. Tu peux goûter ? Non. Non, c'est pas ouvert encore, ma bichette. Oh, je vais les goûter. Mais... Bah, tu goûteras quand ce sera ouvert. Oui, parce que toutes les cavalières goûtent les biscuits de poneys. Parce que la dernière fois, je filmais Maëlle dans le jardin. En train de goûter un biscuit sur Insta, et il y en a plein qui m'ont dit mais moi aussi je le fais, mais toutes les cavalières le font, Aurélie. Donc Laurel a dit non, mais la prochaine fois que tout je vais goûter. Moi j'en ai déjà goûté au frigo. T'as déjà goûté? Ouais. Donc elle a aussi voulu faire plaisir à ses poneys, puis elle aura acheté des petites friandises là pour la nouvelle saison qui commence, hein, comme quoi eux aussi sont gâtés les cocos. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée et Maëlle goûte les biscuits de... C'est vrai que c'est bon. C'est bon. Et voilà, bon, les deux goûtent les biscuits des chevaux, hein. Si toi aussi tu goûtes les biscuits de tes poneys, de tes chevaux, dis-le nous, quoi. Ah, ils sont graves. Ah, de la fatigue, j'abandonne. On vous souhaite à tous une très belle journée. On vous dit à bientôt. Ciao. Salut.